Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on est arrêté à l'exercice 7. On va compléter la série. Donc, l'exercice 7. On considère le système d'équation suivant. X plus Y moins 3Z égale à moins 10. X moins Y plus 2Z égale à 3. 2X plus Y moins Z égale à moins 6. Écrire un programme en Python pour trouver les solutions entières comprises entre moins 10 et 10. Donc, on va chercher les trois inconnus x, y, z qui vont satisfaire à des conditions liées à le système. Donc on doit boucler trois fois une boucle qui va parcourir tous les valeurs de x allant de moins 10 jusqu'à 10, de même pour y et de même pour z. Donc avant de réaliser le code, on doit réaliser l'algorithme correspondant. Donc directement, nouvelle page. Algorithme, variable, exercice 7, série 3, donc les variables, maintenant les variables c, x, virgule, y, virgule, z, des nombres réels, dans mon cas général. DB. La 3 fois la boucle fort, donc c'est pour la première condition, c'est I ou bien X est égal à 1. On prend la valeur moins 10. Ici, il varie de moins 10 jusqu'à 10. Donc, moins 10. Flèche. La première valeur initiale de x est égale à 10. Point virgule. X est inférieur strictement ou égal à 10 ou bien inférieur strictement. X flèche X plus 1. Deuxième boucle pour Y. Façon, la valeur c'est moins 10, la valeur initiale c'est moins 10, point virgule, y est inférieur à 11, point virgule, y prend la valeur de plus. Y plus 1. Troisième boucle pour va être géré par la variable z. Est inférieur à 11. Y est inférieur à 11. Z est inférieur à 11. Point virgule. Z pour la valeur Z plus 1. À l'intérieur et à la boucle, et nous avons 6 conditions. Donc la première condition, c'est x plus y
moins 3 fois z moins 3 étoile z doit être égal à moins 10. Qu'est-ce qu'il est infini ici? Égal à 10. Et deuxième condition, x moins y plus 2 étoiles z doit être égal à moins 10. Et troisième condition, 2 étoiles x plus y moins z égal à moins 6. Si les trois conditions génèrent une valeur qui est trop, alors on affiche le résultat. Si cette condition est vérifiée, alors on affiche le résultat, c'est écrit tout simplement l'ensemble de solution, ensemble de solution S est égal. On va afficher la valeur de X, valeur de Y, et ainsi de suite. Donc, on a le code de X. La variable x concaténée avec la virgule, virgule la valeur de z, virgule concaténée avec la virgule. Donc je ne donnais c'est pas z mais y est le temps. Il concatène ma la variable. Tout simplement, on ferme par ce point de vue. On a l'ensemble de solutions. Donc, il faut essayer, on dit le fin si. Il faut donner un fin si, on dit 3 pour, on dit le 3 dit le fin pour. Il est fin pour. On est fin pour. Le troisième fin pour. David Hell, Edna Fin. Il y a l'algorithme. Donc, il y a l'algorithme qui correspond à l'exercice numéro 8. Donc, je sauvegarde, c'est simple. Je sauvegarde l'exercice. Donc, EX8, CV3. Enregistré. On va faire la translation. Visual Studio. Donc l'exercice, c'est l'exercice 8. On va nommer le fichier X8. PY. CTRL C, exercice 8. CTRL V. Je ferme les autres fichiers. On va laisser seulement les deux instructions. Une fois X in range dans les variables, hein, les valeurs les aides moins 10, donc là c'est 3, donc x moins y plus 2, c'est 3, donc je ne vais rien aller voir, le troisième équation c'est quoi, c'est idem in range des valeurs possibles allant de moins 10
virgule 11, puisque la valeur de moins 10 est 10, on a la deuxième paramètre est x', donc c'est jusqu'à 11. Deuxième for, il est géré par y, donc c'est y in range, les paramètres romains, donc moins 10, virgule 11. Deux points. Un défaut qui va être troisième fois qui va être géré par la variable z in range entre parenthèses moins 10, virgule 11. Maintenant, notre contrôle, donc tabulation, on a le if, les conditions. Donc, on a trois conditions, donc parenthèse, and deuxième condition, parenthèse, et end, parenthèse. En parenthèse de Word, on doit vérifier la variable, l'équation x plus y moins 3 étoile z doit être égal à 10. End, deuxième équation, c'est x moins y plus 2 étoiles z, 2 étoiles z doit être égal à 3. Troisième condition, end, 2 étoiles x plus y moins z égal à moins 6. Deux points. On affiche l'ensemble solution, print. String, donc le voilà, l'ensemble solution, l'ensemble de solution S grand S, l'ensemble solution S est égal borné entre les opérateurs, donc le voilà. La colonne de l'huile 1, 2 et 3. Donc le premier accolade il va contenir la valeur de x séparée par la virgule. Deuxième accolade c'est y séparateur virgule. Et la variable c'est maintenant l'ensemble solution fichier. End, espace, le point vient, l'indentation, c'est un point, étant très sensible à la message. Il faut que je fasse un commun. Donc, je fais que je fasse un visage sinon, on va tracer des axes verticaux, mais là, on a respecté avec l'indentation. Donc, on va exécuter le programme, c'est simple. Donc là, tu m'as dit, l'ensemble de solution S est 1, x égale à moins 2, y est égal à 1 et z égale à 3. Si on veut vérifier l'équation, on va remplacer x par sa valeur, y par sa valeur et z par sa valeur. Finalement, on doit trouver les équations. Et là, il doit vérifier les valeurs de cette. Donc l'exercice, normalement, les généraux 1. On utilise les mathématiques, on a besoin de temps, je vous montre la programmation. La boucle pour 3 fois, on a un petit contrôle, et j'affiche le résultat, je vais rassurer. Donc c'est-à-dire, le travail est là, on fait de la sélection, je contrôle la situation, je dois vérifier, je vais rassurer avec l'ensemble de solution. Donc, c'est le rôle de la programmation qui simplifie les tâches. Donc, cet exercice prend fin. Donc, c'est pas l'exercice suivant. Dans l'exercice 8 ou 9 ou 10, on va étudier un nouveau module qui s'appelle random. Donc, Charles Crofea a fait une petite recherche sur le module random. Très important, le module est dans l'exemple qu'on a. Une petite recherche. On va aller avec les trois exercices pour finaliser la série. Donc, le module. La recherche, je vais écrire ici.
module il s'appelle interne le texte. Donc c'est pour ça, non? Donc le module c'est un rendre. Donc, des petites recherches à de module là, rendre. Donc, là, comme ça, la vidéo G pour résoudre un des trois exercices. Donc, l'exercice le suivant, le programme devinette tire au hasard un nombre compris entre 0 et 10. C'est de la module, il gère tous les valeurs qui sont générées de façon aléatoire. De la module, il contient des fonctions prédéfinies. Une fois importé au module, on va exploiter l'ensemble des fonctions, qui est des fonctions qui gèrent des entiers. Et on va voir des fonctions qui gèrent des valeurs réelles, ou des fonctions qui gèrent des listes. Donc, les entiers ou les réels, mais Inch'Allah, c'est encore des listes. Donc, ça, on va compléter le module en utilisant les listes. Donc, demande à l'issue de trouver le nombre. Pour cela, la méthode est la suivante. Tire au hasard un nombre compris entre 0 et 10, lire un nombre au clavé, tant que le nombre du est différent de celui, tire au hasard. Lire un nombre au clavier, compter le nombre de boucles affichées. Puis maintenant, on va faire un jeu, donc je vais saisir le clavier. En même temps, on va tirer des nombres aléatoires qui sont compris entre 0 et 10. Donc, il y a de la valeur, on va saisir le clavier. Tant que le nombre, lui, maintenant, la valeur, on va saisir le clavier, il est différent de la valeur qui est générée par la valeur aléatoire, on va répéter le processus. Ou chaque fois, une fois que tu trouves la boucle, une fois que tu saisis le clavier, tu donnes un compteur, le reste, puis là, la prochaine tentative, tu vas te la valeur liée à l'étoile. Donc, tu initialises le compteur à 0. Une fois que tu trouves la boucle, tu as le compteur plus 1. Une fois que tu saisis, une fois que tu as la valeur exacte, tu affiches sur l'écran, vous avez bravo, vous avez réussi. Voilà, la simple valeur du compteur, ou est-ce la première fois, ou la deuxième fois, ou la énième fois. Donc, il est écrit et on voit.